Il y a quelque chose d'assez incroyable avec McFly et Carlito, c'est qu'on a une combinaison assez incroyable de deux gens qui ont la même personnalité au niveau des modes, consomme, jeu et répand, pas de mode sommeil, mode jeu doublement activé. Il y a juste, Carlito est un double masculin, alors que McFly, je crois que c'est un, en tout cas, DE féminin chez McFly. Sinon, sur tous les autres points, ils sont exactement les mêmes. Et la seule différence majeure qu'il y a entre les deux, c'est que l'un est un décideur, et l'autre est un observateur. Ce qui fait que le plus gros problème pour Carlito, ça va être par rapport aux gens, ça va être par rapport aux décisions. Et McFly, observateur, son plus gros problème à lui, ça va être par rapport au contrôle, au chaos, il nous manque des informations, je sais pas qu'est-ce qui se passe, j'ai l'impression qu'on essaye de me piéger. Donc avec ça en tête, regardons cette vidéo. Carlito a préparé une surprise pour McFly pour son anniversaire. Par quoi est-ce que l'un et l'autre vont être gênés? Sur quoi est-ce que l'un va passer trop de temps à se dire « Waouh !» Truc de ouf, et qu'est-ce qui est normal, facile, alors que pour l'autre, c'est la pire des choses. Nous sommes le 7 juillet, c'est l'anniversaire de McFly et David aujourd'hui. Dois-je encore vous rappeler le rapport qu'on entretient, lui et moi? Désolé pour ce sérieux, mais je vous jure, vous allez tout comprendre. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. C'est son anniv. Je vais lui faire une grosse surprise. Il croit que. On s'est dit aujourd'hui quoi? On s'est dit qu'on bossait, genre sur un texte, ou qu'est-ce qu'on s'est dit avec lui? Réunion de prod, je crois. Réunion de prod, machin. Donc tout à l'heure, là, dans quelques minutes, d'une minute à l'autre, en vrai, il va rentrer ici en mode de, on fait une réu. Pas du tout, je lui ai réservé une surprise. J'ai envie que vous la découvriez en même temps que lui, donc je vous révèle pas tout, même si probablement ce sera écrit en commentaire et tout. Bah, si vous voulez la surprise, lisez pas les commentaires, sinon faites ce que vous voulez, bien sûr. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je lui ai fait une déclaration d'amitié. J'espère du fond du cœur ça va vous plaire. J'ai hâte de voir sa tête. Déjà, on voit que il prépare une surprise. C'est quoi son problème? Ok, il va arriver et je veux que vous découvriez en même temps que lui et c'est vraiment une déclaration d'amitié. Et par rapport au contrôle, au chaos, par rapport à l'organisation, oh mon Dieu, est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai pas oublié un truc? Je sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Il peut arriver d'une minute à l'autre. Est-ce que tout est prêt, etc. On voit que il n'est pas du tout stressé par rapport à est-ce que ça a bien tourné? Est-ce que j'ai bien préparé? Est-ce que c'est bien organisé? Non, mais par contre. Il va voir, et j'ai fait ça pour lui, et je veux que vous voyez en même temps. Oui, vous allez être spoilé dans les commentaires. Bon, bah, vous avez juste à ne pas lire les commentaires. C'est pas compliqué de pas aller voir les informations en avance, etc. C'est pas compliqué de se contrôler, c'est pas compliqué. Moi, je me souviens, j'ai pas organisé, mais j'ai participé à un anniversaire surprise. Et je me souviens, j'étais arrivé un peu en retard. Et du coup, je commençais à paniquer. Je me disais, oh mon Dieu, si elle me voit, genre dans la rue, etc., je commençais à je commençais à marcher en me cachant derrière les voitures et tout, parce que mon Dieu, peut-être qu'elle va me voir, je sais pas qu'est-ce qui va se passer, et tu vois ce que je veux dire? Et à aucun moment, je me suis même posé la question de est-ce que ça va lui faire plaisir? Comment est-ce qu'elle va réagir? C'est pas le truc qui va me gêner, tu vois, c'est pas le truc qui va genre, occuper mon attention, c'est pas sur ça que je vais me focaliser, c'est pas avec ça que je vais devenir sérieux. Lui, l'organisation, lui, il peut arriver n'importe quoi, etc., c'est pas son problème, mais par contre, après 17 ans, c'est compliqué, donc là c'est vraiment une déclaration d'amitié, je sais comment il va réagir, lui il fait ça, alors que moi je fais ci, waouh, et c'est sérieux, et c'est important, et c'est ça le plus important du truc de toute cette vidéo, tu vois. Je le connais, on va voir ensemble, mais mon pronostic, Flo, tu le connais aussi, mais c'est qu'il bloque. Moi, je suis hyper expansif, lui, il est plutôt soft. Je crois qu'il va être Keblo. Ok, donc ça c'est Carlito. Maintenant, McFly va venir, va voir, etc. Sur quoi est-ce qu'il va être focalisé? Qu'est-ce qui va, lui, le gêner? Est-ce que lui aussi, c'est par rapport aux... Enfin, vous savez que non, mais... t'as compris? Est-ce que lui aussi, c'est par rapport aux gens? Ou est-ce que lui, c'est... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je sens qu'il me manque des informations, j'arrive pas à comprendre quelque chose. Je vois des trucs, mais je vois pas qu'est-ce que ça veut dire. Ou j'ai l'impression que c'est ça, mais pourtant, je trouve aucun indice de mes intuitions et je suis persuadé que c'est ça qui va se passer. Mais bizarrement, le monde réel ne correspond pas du tout à ce que j'imagine. Tu vois, des déséquilibres par rapport à intuition, sensation. C'était un délire. Merde. Tiens, c'est pas le temps. Je me disais que t'avais prévu un truc, c'est pas possible, je te connais trop par cœur. Quand t'es calme comme ça, quand tu me fais des petits trucs genre ah, tranquille, prévois-moi, tu viens un resto ce soir. Quand tu me fais ça, c'est sûr que t'as prévu un truc, je te Vous connais êtes un peu par cœur. grillé? Ah non, rien à crier, je sais, j'ai aucune idée de ce que tu vas me faire en Ça plus sort là. là-bas. Et en plus, Carly, Mac, lui, ESP, SE, donc il voit les choses, il voit ce qui se passe, il voit une... Genre c'est exactement la tête qu'il a fait quand il est arrivé là, c'est la tête des ESP quand il... Oula, attends. Il commence à scanner la zone, il commence à scanner la pièce, à voir tous les éléments, tous les objets, pour essayer de deviner, mais il n'arrive pas à deviner, je comprends pas ce qui se passe. J'ai aucune idée de ce que tu vas me faire en Ça plus sort là. là-bas. Tu t'y attendais pas à celle-là, hein? Les gens non plus.
Moi non plus, en vrai. C'est drôle parce qu'en plus, ça toute la musique. Mais les premières phrases, tu t'y attendais pas. Et les gens non plus. Et moi non plus. Et toi, et eux, et moi, et toi, et eux, et moi. 16 piges en arrière, on se rencontrait au lycée. Tout le monde le savait, on n'était pas policés. Puis un jour, cette promesse, celle de pas se lâcher. Notre avenir à nous, c'était tout cassé. Rappelle-toi les propos de ces imbéciles. Vous n'y arriverez pas, tout ça serait trop facile. Puis les heures, les jours, les semaines à café. Ils fumaient des ouinges pendant qu'on enregistrait. À 18 ans en radio, le missile est lancé. Tu te levais à 4h du mat pendant que les autres pillaient. C'est drôle en fait à quel point genre toutes les paroles de la musique c'est oui et eux ils croyaient pas en nous alors que nous on savait qu'on pourrait le faire et nous on faisait ça alors que eux ils faisaient ça et toi t'étais là pour moi et grâce à toi moi j'ai pu devenir comme ça et on y est arrivé parce qu'on était ensemble et t'es mon âme frère. Et pourquoi est-ce que les décideurs en fait ils se concentrent sur ça? Parce que les décideurs leur toute première fonction c'est une fonction de décision. La plus importante des choses pour eux c'est ce qu'ils ont fait. Tu vois, c'est qu'ils sont par rapport à ce que les autres font et ce que les autres sont parce qu'ils prennent des décisions et moi j'ai pris une décision différente de la tienne. Donc, soit on est ennemi, soit on est ami. Tu vois, soit on prend la même décision et dans ce cas-là, t'es mon frère, etc. Soit on prend pas les mêmes décisions, on croit pas en les mêmes choses, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même pensée, peu importe. Et dans ce cas-là, on est ennemi, tu vois. Et c'est toi contre moi et c'est eux contre nous. Heureusement que t'étais là, sinon je serais toujours, toujours par terre. Payé comme des chiens, on n'a jamais lâché. Oh là 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 là. Il a un loup, le gars. Il a un loup pour le clip. Qu'est-ce qui le choque? Est-ce que c'est... Oh putain, c'est tellement vrai, tout ce qu'on a vécu ensemble. Non, il a un loup. Comment t'as fait pour avoir un loup? Ils disent qu'on est fous, mais ils se rendent pas compte. Ils sont fous, les gens qui doivent rendre des comptes. Toujours là pour m'aider à retrouver la lumière. T'es mon pote, mon bro, mon âme frère. Ils disent qu'on est fous, mais ils se rendent pas compte. Ils sont fous, les gens qui doivent rendre des comptes. Oh mon dieu, mais c'est tellement abusé sa chanson en plus. Genre, y'a que ça. Ils sont fous les gens qui doivent rendre des comptes. Ils disent qu'on est fous et toi t'étais là pour moi. Enfin bref, mais c'est que ça. Enfin mais, vous le voyez ou pas? Vous voyez la différence de qu'est-ce que les décideurs voient et sur quoi est-ce que les décideurs vont bugger et sur quoi est-ce que les décideurs vont passer trop de temps et sur quoi est-ce que les observateurs vont passer trop de temps? Oh mon dieu, y'a un loup, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Oui, il a changé les lumières. Pourquoi est-ce que tu cries parce qu'il change les lumières? Oh, y'a un petit changement de là. Vous le voyez ou pas? Est-ce que vous le voyez? Et c'est d'ailleurs vachement drôle parce que, genre, là, dans le clip, en fait, Carlito, il passe McFly, je sais plus, lui, il passe genre totalement à côté, en fait, de ce que l'autre a voulu lui montrer. Et c'est ce qu'on voit, mais absolument tout le temps dans la vie des gens, en fait. Les gens, ils parlent, mais ils ne s'entendent pas, en fait. Ils parlent, mais ils passent l'un et l'autre à côté de ce que l'un et l'autre sont, de ce que l'un et l'autre veulent dire, etc. Je suis désolé, je suis très très ému. Mais qu'est-ce que c'est que ce son de ouf? Qui a fait ça? Et Andrea, qui a fait la réal du clip, je lui ai soumis une maquette et il a refait une compo à partir de ça. Devine qui m'a perfectionné pour mon flow, c'est Oli, évidemment. Bien sûr, Oli. Donc mais big up à Oli qui m'a aidé pour le placement et des mots qui fracassent mieux, quoi. Et quand il dit qui a fait ça, genre, c'est pas vraiment pour savoir c'est qui la personne qui a décidé de mettre un loup, tu vois. Genre, c'est pas vraiment qui est... Genre, c'est juste genre... Juste pour comprendre ce qui se passe, en fait. Et c'est pour ça que les observateurs sont des doubles décideurs. Comme ils ne comprennent pas ce qui se passe et que c'est ça le plus gros truc pour eux, bon, bah je vais travailler avec toi, même si je t'aime pas, on va travailler ensemble parce que, non, mais il y a quelque chose de plus grand, en fait. On a un objectif à atteindre, les gens, ça bouge, on peut, voilà, on peut faire avec, tu vois, on peut gérer ça à peu près correctement. Et quand ils demandent qui a fait ça, c'est pas pour savoir vraiment qui sont les noms des gens derrière, tu vois. Les gens, c'est juste une information de plus pour comprendre, en fait. Tandis que pour Carlito, genre, les gens qui ont travaillé sur ça, c'est ça le vrai truc, tu vois. Et ouais, bah c'est HT Productions avec Andrea, et c'est Oli qui m'a aidé. On pourrait croire, ah bah du coup, bah ils demandent qui a fait ça, donc c'est aussi un décideur. Mais en fait, non, on voit que pour lui, c'est juste une question parmi d'autres. Ok, qui a fait ça? Ok, mais et ton flow, et le truc, et le truc, et les gens, et le truc, et le truc, et le truc, et les gens, et le truc, et les trucs, tu vois. Il va poser des questions par rapport aux gens, mais combien de temps est-ce qu'il passe vraiment à savoir qui a participé, quelles sont les personnes derrière, et combien de temps est-ce qu'il passe à essayer de comprendre, à essayer de, genre, réassembler les pièces du puzzle, tu vois, essayer de faire en sorte que ce qui se passe, que la chose, globalement, ait du sens, etc. Ah, fais gaffe, parce que je vais pas tenir, c'est trop de choc, fais gaffe. Et d'ailleurs, genre, pendant tout le truc, Carlito est plutôt calme, etc. Et les seuls moments où il va s'exciter, par exemple, c'est quand ils vont voir un garçon dans la rue, extrait. Tu le gardes précieusement. Ouais, ouais. Il m'a coûté très cher. C'est mon caleçon. Mais t'es un génie, toi. Comment tu t'appelles? Jacques. Sam? Jacques. Ouais. Sam? Jacques du 9-2. Non, il est propre. Ah, il est propre, quand même. C'est déjà ça. Tu lui offres un caleçon, frérot, t'es incroyable. Merci, frérot. Oh. T'es trop précieux pour ce monde, Jacques. Bah oui, hein. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Riche. Ah,
Mais t'es un... Mais Dieu nous a mis Jacques. C'est Carlito qui va s'exciter d'un coup. Oh, t'es un génie, mec, t'es trop fort, ouais, t'es un génie. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Dis-moi en plus sur toi, je veux apprendre à te connaître, toi, qui es-tu? Et d'ailleurs, après, la surprise, c'est qu'ils sont partis voir M, qui est la star, enfin, qui est l'artiste préféré de McFly. Et du coup, c'est assez drôle que ce soit un décideur qui se dise que le plus gros cadeau, c'est que quelqu'un aille voir sa personne préférée, tu vois. Et oui, c'est grâce à lui que je suis qui je suis, et c'est mon idole, tu vois, et tous les IP, même tous les EJ aussi. Mais surtout, les IP, ils ont vraiment tendance, quand ils ont des idoles, quand ils ont des gens dont ils sont fans, genre, à vraiment être des fans au sens, genre, des groupies, quoi. Parce que non, mais c'est lui, et c'est la personne ultime, tu vois, donc ils veulent être comme lui, et c'est leur rêve ultime, c'est de partir voir la personne et de lui dire, oh putain, c'est grâce à toi que je suis qui je suis aujourd'hui. Enfin bref, être super fan de quelqu'un, c'est assez fréquent chez les décideurs, et bien évidemment que les observateurs aussi. Je passe mon temps à parler de Alpha One et de Kanye West, tu vois, je les adore, mais... En vrai, Alpha One, le voir en vrai, j'aurais pas grand-chose à lui dire. Moi, c'est plus parce qu'il est trop fort. Et comment est-ce qu'il fait pour faire des rimes aussi bien, tu vois? Je viens du bassin parisien, je te regarde de haut et je suis pas sympathique. Je fais pas le rap que c'est catin pratique. Très peu probable que je tape un platine, faut que je fasse un classique. Sur mon chapeau, soit du renard, soit du castor, c'est le swag du Cador. Rien que ça piaffe comme à la Saint-Patrick. On est posté dans un soir du 14. Au final, pour conclure, 2-3 trucs. Première chose, en vrai, je pense que c'est un des éléments qui fait qu'ils sont aussi amis. Parce que, en vrai, si t'es un observateur et que tu traînes tout le temps avec un observateur, vous allez juste, genre, vous monter la tête tous les deux et commencer à avoir peur des mêmes trucs tous les deux et devenir parano tous les deux pour les mêmes trucs. Tu vois, enfin, tu comprends le signe que je fais là avec mes doigts. Pareil, si c'est deux décideurs, tu vois, ils vont juste commencer à dire, ouais, non, mais eux, ils sont contre nous, etc. Genre, pareil, il y a devenir parano à rentrer dans des délires de persécution, etc. Alors que quand c'est observateur et décideur, genre, en fait, quand on n'a pas quelqu'un qui a notre personnalité, c'est vraiment beaucoup mieux parce que, en fait, elle nous aide à trianguler, tu vois. Et quand l'autre va devenir fou, heureusement qu'il y a Carlito qui est calme et qui gère le truc parce que McFly, là, il est plus en capacité de gérer quoi que ce soit. Ah, je tremble, je suis. Vous voyez comment je tremble? Je sais pas pourquoi ça me fait trembler, c'est choc, c'est des chocs. Mais par contre, quand ils ont des problèmes par rapport à des jeunes, etc., lui qui gère et qui est clairement le genre le boss dans la situation là, il va boum devenir l'enfant et qui va devenir super bizarre, qui va commencer à s'énerver par rapport à des gens, qui va commencer à piquer des crises, tu vois, automatiquement boum. McFly, il va reprendre le lead de la situation. Tu discutes avec les gens alors que moi je veux pas les voir. Et ils vont genre comme ça s'équilibrer l'un l'autre parce qu'ils n'ont pas peur des mêmes trucs, ils tombent pas dans les mêmes pièges, tu vois. Donc quand il y en a un qui tombe, l'autre il peut le remonter. Et en fait, ces déséquilibres-là, c'est exactement ça qu'on cherche. Et c'est pour ça que quand on type des gens, genre, il faut qu'on trouve des vidéos où ils commencent à avoir peur de quelque chose, où ils vont devenir bizarres. Parce que quand tu parles juste comme ça avec tes amis dans le bar du coin, c'est compliqué de typer les gens parce qu'ils te parlent juste des trucs en mots. Après, on peut aussi voir où est-ce qu'ils ont pas peur, tu vois. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus facile de les voir avoir peur, de les voir être stressés parce que c'est là qu'on voit, ok, qu'est-ce que tu n'arrives pas à gérer, qu'est-ce qui est genre, trop compliqué pour toi et qu'est-ce que ton cerveau n'arrive pas à traiter comme information. Was ridiculous and funny. Right. So this is a free personality test sponsored by 16types.com. If you get absolutely triggered by this video, you're an observer. If you just laugh your ass off, you're a decider. Done. That's that easy.